Voilà comment on associe la couche. On va dans la couche. Posture, on va dans la couche. On choisit la couche. Ensuite, on va dans la publication. Et au niveau de style, on choisit le style qui correspond. C'est fini. Essayez d'importer pour toutes les couches. Essayez d'importer pour toutes les couches. C'est bon. Oui. Modifier vos styles, sauvegarder et importer. N'oubliez pas de chercher, de choisir l'espace de travail. D'accord. Donc, si c'est bon, on va continuer. Donc moi, je suis arrivée. C'est la couche du directeur. C'est bon ça? C'est quoi tu as dit? Un apport. Allez, écoute, Amélie. Sans baisser.
Qui a fini? Moi, j'ai fini. Pas rapide, j'avais généré ça avant. Et si vous étiez même curieux, vous devez voir que je vous ai remis ça il y a longtemps. Bon. Non, j'ai rien dit. Oui, les îlots, j'ai numéroté. Il est ou bien l'eau? J'ai appliqué un paramètre qui permet de ne pas déborder mes polygones en étiquetant. Donc, à ce moment, je déborde. La première fois que vous faites, tu dis, faites le travail, faites la symbolique. On sait comment étiqueter sans que ça ne déborde les bordures. Là, c'est Q10. Bon, si vous avez fini, on va continuer. Et catégoriser mes étiquettes, mais avec des styles simples. Si vous mettez des styles trop compliqués, ça ne pourra pas lire. Vous prenez des cercles ou bien des. Losange, je ne connais pas les formes qui sont propres à Q10. Par exemple, si vous voulez prendre les bâtiments, les équipements de Q10, il y a une façon d'ajouter les autres styles. Mais là, prenez des choses simples. Après, vous aurez le temps de faire des styles assez complexes. Prenez des choses assez simples et on va avancer. S'il vous plaît, madame, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible de rendre style dynamique? Je Le style dynamique. vous écoute. Continuez. Dynamique dans quel sens? Je souhaiterais savoir si c'est possible de rendre le style dynamique. C'est ça, je dis dans quel sens? Il faut mieux expliquer. Ok, par exemple, si j'ai un état, l'état d'une ligne qui est défectueuse, par exemple dans un réseau électrique, l'état d'une ligne qui est défectueuse et je voudrais la signaler parmi plusieurs autres lignes. Je veux que cette ligne-là puisse clignoter. Là, c'est du PHP, du Java et tout. Donc, c'est une programmation à faire. Donc, là, c'est pas juste, c'est pas dans l'affichage des styles, quoi. C'est une programmation à faire. Je peux la faire avec un jeu serveur. C'est ça, je dis, ce n'est pas uniquement du serveur. On associe d'autres choses dessus. Ce n'est OK. pas uniquement du jeu serveur. C'est bon, on va continuer. On va continuer avec. On a fini avec Joe Server. Donc, on va passer à Mabender. Donc, on va prendre une pause de 15 minutes. 15 minutes, donner le temps aux autres de finir ce qu'ils ont à faire. Finissez vos styles et on va continuer avec le développement de l'application. On est à 10h50, on reprend à 11h15.